Si vous ouvrez le livre de Peter Pan, vous lisez le livre et vous plongez dedans, vous vous laissez emporter. Peu importe votre âge, si vous commencez la lecture de cette histoire, vous la vivez, vous vous laissez emmener dans ce rêve, et chacun y ajoute des éléments de son propre imaginaire. C'est sûr que c'est pas un spectacle avec un acteur sur un fond noir. Ce sont des spectacles où ça va dans tous les sens. C'est une énorme machine, Peter Pan. C'est 300 personnes qui travaillent autour. Souvent, c'est dangereux parce qu'une histoire où il y a beaucoup de possibilités, elle peut se retourner contre vous. Aujourd'hui, ça y est, c'est le jour de la première du spectacle de Peter Pan. Pendant que les parents et les enfants qui ont la joie d'assister les premiers au spectacle montent dans le train à vapeur affrété spécialement pour les y emmener, il règne dans les coulisses, quelques heures avant le lever de rideau, un silence de glace. Quoique... Oui, mais on va faire ça. Maintenant, Mamma mia! Oui! C'est comme si nous n'avions pas eu assez de temps pour tout boucler. C'est l'impression que j'ai. Parfois, c'est mieux comme ça, mais je me sens vraiment nerveuse. J'espère que le public aimera parce que moi, je suis tombée complètement amoureuse du spectacle. Je suis vraiment devenue Wendy. Beaucoup de petites mains s'affairent encore pour régler les derniers détails. Il faut réaliser les maquillages, ajuster les perruques, faire les dernières retouches aux vêtements et attacher les micros de la distribution. Je dois encore vérifier deux ou trois choses pour que tout soit prêt comme prévu. En bref, tout doit être impeccable pour la première. T'as d'autres chaussettes ? Avec des chaussettes blanches, ça n'ira pas. Quand vous montez un spectacle, jusqu'au dernier moment, il y a encore des tas de choses à peaufiner. C'est toujours comme ça. Mais je pense aussi qu'il est très important, en tant qu'acteur et chanteur, de savoir s'arrêter. Ça ne sert à rien qu'on se mette tous à courir comme des poules sans tête. Bonjour, Monsieur Mouche. Pas Monsieur Mouche, Monsieur le plongeur. Le fait de porter le costume et d'être maquillée, ça change tout. Cela donne une dynamique différente au personnage. Dès que j'enfile cette robe, j'ai à nouveau 12 ans. J'ai l'impression d'être une petite fille. Oui, oui, c'est exactement ça. Je vois que tu changes. Je te la prêterai peut-être quand elle sera toute sale et dégoûtante. J'en suis sûre. Tiens, et lave-la bien après. Sylvie teste une nouvelle fois ses ailes déployées, car il serait malvenu d'accrocher quelque chose sur son passage. Waouh, ça marche ! Lynette ? Oui ? Je pense qu'il serait mieux de les immobiliser en position ouverte. On va les coudre. Mesdames et messieurs, le spectacle commence dans 5 minutes. 5 minutes ! Concentration maximale avant le lever de rideau. Les uns se préparent en silence, les autres de façon plus spectaculaire. Et les Italiens à la mode italienne. Du côté des nerfs, ça va. J'ai confiance, je pense que la représentation de ce soir se passera bien. Je pense qu'on a la chance de pouvoir présenter un spectacle magnifique. Alors, inutile d'être trop nerveux. Mais c'est aussi une saine tension. Un peu de tension, c'est toujours bien. Ça y est, maintenant, je suis vraiment nerveuse. Alors que j'étais si calme. Il y a encore des gens qui sont pas prêts. Non, tu es la seule. Non, c'est vrai. Oh mon Dieu. Ok ? Acte 1, ceux qui commencent sur la scène, s'il vous plaît. Acte 1, ceux qui commencent sur la scène. Chantez des chansons, dansez. Chantez des chansons, dansez. Bonne chance. Bonne chance. Et je te souhaite beaucoup de plaisir. Du plaisir ? Pas de problème. Ouais. Tout le monde est prêt ? Les lumières s'éteignent, les projecteurs s'allument. Je suis une fée. Je m'appelle la fée Clochette. Et je vais vous raconter une histoire. Thank you.
Apparemment, il y a tant de gens. Sur le balcon, là, il y en a beaucoup. Ok, c'est parfait. C'est parti. Bon. Ce qui est très complexe pour les chanteurs et les danseurs, c'est qu'ils doivent savoir exactement où se trouver à tout moment du spectacle. Et également ce qu'ils doivent porter à chaque scène. Ils changent tous régulièrement de costume. J'ai un changement rapide de costume. Je dois passer rapidement du personnage de Monsieur Darling, père des enfants, à Monsieur Mouche, le pirate. L'idée de base pour le grimage de Mouche était de fonctionner avec un crâne chauve. Mais cela n'a pas été possible, parce que je n'avais que 4 minutes pour passer d'un personnage à l'autre et on n'y arrivait tout simplement pas. Impossible. C'est une autre constante agréable dans ce genre de création. Quand quelque chose ne fonctionne pas, vous recherchez directement une autre solution et maintenant la perruque est attachée au chapeau. On met le chapeau et hop, la perruque y est aussi. Tribune, ils sont assis au-dessus d'un woofer. Alors avec les doigts dans les oreilles, pour applaudir. Ouais. Lorsqu'il y a une pause entre deux apparitions sur scène, il y a une chose que les artistes ne doivent pas oublier. Boire, boire et encore boire. C'est vrai, c'est ma meilleure amie. Chaque gorgée que je bois ressort immédiatement. À quoi ça sert ? Les amis. Attention, derrière vous. Maintenant, c'est au tour de Sylvie d'étinceler comme la fée Clochette. Quand elle quitte la scène, elle n'est pas tout à fait satisfaite, même si elle reçoit un tonnerre d'applaudissements. Quand je m'élève, David doit me tenir les jambes pour que je reste droite, et il ne me tient pas les jambes droites. Du coup, je tourne et pendant presque tout le temps, je suis dos au public. Ça ne va pas. Quand la dernière note est chantée, le dernier pas de danse accompli et que le rideau tombe sur la première du spectacle de Peter Pan, c'est la décompression. La sensation que j'éprouve précisément maintenant et que je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Si nous faisons ce spectacle pendant 2 ans, 5 ans, alors vous pouvez compter sur moi. Parce que là maintenant, je vis un rêve. Je veux que ça ne s'arrête jamais.
Nous avons l'expérience de grandes scènes, de grandes tribunes et de publics nombreux. Tout l'art est de réussir à créer cette dualité, le spectaculaire et la grandeur d'une part, et d'autre part, la capacité de raconter une histoire intime, joliment et avec poésie. Magnifique, vraiment. Les costumes, les danses, c'était splendide. J'ai trouvé ça très bon. Très spectaculaire. Alors que je ne m'y attendais pas vraiment. Mais très bon, vraiment très bon. Il y avait des breakdancers et un type qui faisait des saltos et des trucs comme ça. Une dynamique surtout, des images magnifiques de l'émotion et vraiment des très belles chansons, enfin une musique à couper le souffle bien évidemment. Et vraiment très très chouette à venir voir, absolument. Eh bien, j'étais très critique au départ parce que je savais que c'était une production belge. Mais j'ai été favorablement impressionné. Ongelooflijke dansers. Des danseurs incroyables, un décor jamais vu. Une vraie super production. Je pense que ce spectacle a beaucoup de potentiel. Que c'est une production qui peut voyager dans le monde entier, vraiment. À voir, absolument. C'était Peter Pan derrière l'écran. Et voilà, vous avez un petit aperçu. Et qui sait, peut-être nous reverrons-nous au pays imaginaire ou à Forêt nationale. Maman et papa ne veulent pas croire que notre livre a des pouvoirs magiques. Oui, parce que ce sont des adultes. Oui, ils ont mangé beaucoup trop de tartines. Et tous travaillent. Ça doit pas être agréable d'être un adulte. Je voudrais qu'on passe un accord. Un accord, qu'est-ce que tu veux dire? Que toi et moi, non, on ne deviendra jamais adulte, comme Peter Pan. D'accord? D'accord. Hehehehe